Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau replay sur World of Tanks. Et aujourd'hui, ça va changer des chars que je joue d'habitude, puisque ce sera un char chinois qui sera à l'honneur, le T-34-1, qui est le tier 7 moyen de la branche des Chinois. De la branche, en même temps, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que deux. Enfin, deux. Il y en a 3 en tout, mais il y en a une qui s'arrête vu que c'est celle des légers et qui rejoint celle des médiums. Le T-34-1 qui est full au niveau du moteur, puisque avec le petit 58 je les ai débloqués, et avec le canon bah, je l'ai débloqué grâce à l'IS-2, puisque je fais les lourds et les moyens chinois en même temps pour débloquer bah, les suivants qui sont intéressants, surtout le 110 pour les lourds. Et pour les moyens bah, j'avais un petit peu marre de faire du léger sur les autres nations, ce que je fais déjà avec les Français et les Américains, et je voulais un peu changer, jouer du moyen, ce que les Français ne pouvaient peut-être pas apporter pour le moment. Il y a eu des nouveaux chars moyens, mais bon, il n'y a pas de branche complète. C'est pour ça que j'essaie de trouver le gameplay moyen chez les Russes et chez les Chinois, qui sont un gameplay assez similaire, puisque ce sont quasiment des copies améliorées pour les Chinois. Bref, donc on revient sur la carte. Comme vous pouvez voir, je suis top tier. Il y a du tier 6 en moitié et du tier 7 de l'autre moitié, qui complète un peu avec quelques tier 5 au milieu. Sur la carte ABI. Donc là pour l'instant je fais bien attention de bien m'avancer et en restant à couvert des artilleristes que je peux me faire tirer dessus, et je vais vite foncer maintenant derrière le rocher puisque je vois quelqu'un 85 qui arrive. Profiter pour taper le KV-13, puis non, ok, on profiter pour rien du tout, on va taper le KV-85, voilà. Oh putain, ça a bouncé, ça a tapé ma tourelle. L'avantage du T-34-1 c'est que par rapport aux autres chars, c'est qu'il a une tourelle qui est ronde par rapport à la majorité des tiers 7 qu'on peut trouver. Oh putain, lui il vise très bien le type greppé. Les autres tourelles sont principalement carrées, parce que c'est encore l'ancienne doctrine avec le gros blindage, contrairement au blindage incliné qui permet de faire bouncer. Donc là, ce qui apporte vraiment un avantage, si on arrive à montrer que le bout de sa tourelle, ce qui est pas évident, avec la dépression de merde qu'il a le char, c'est un peu pourri. Et oui, parce que les Chinois ils copient, mais ils prennent, enfin ils gardent, je veux dire, les désavantages des chars russes. Bon, alors là, on va se concentrer sur la partie. J'ai fait n'importe quoi sur le tigre peu. On va essayer de taper le tourello pour l'achever. Allez. Et oui, alors il y a un autre point faible, c'est qu'il est très peu précis aussi ce char de merde. Enfin, en tout cas, moi je trouve qu'il est pas très bien précis, faut attendre vraiment. Ouf, merci l'arty, on va aller achever le KV. Voilà, parfait. Premier char pour moi que j'ai éliminé. Alors oui, alors il a une très mauvaise précision, je trouve, puisqu'il faut qu'on réticule à fond pour que le but aille vraiment dans la cible, contrairement à d'autres chars ou, enfin, surtout un moyen quoi. Et généralement les moyens, il n'y a pas besoin de réticuler à fond, le but généralement part à peu près dans le centre du cercle, là c'est pas vraiment le cas. Bref, donc là allez, on va aller taper le KV-13, ça c'était avant. Voilà, il me regarde pas, le T-150 qui est mort, bon c'est pas grave. Allez hop, on va se coller dans le cul, coucou, coucou, tu peux pas m'avoir, tu ne peux pas m'avoir. On va profiter pour taper dans la tourelle, vu qu'en plus il la tourne, peut-être avec un peu de chance je peux taper les munitions ou endommager la rotation. Allez, un tir et c'est bon. Voilà, parfait, ça dégage. J'ai eu du cul parce que si KV-13 commençait à se mettre face à moi, j'étais un peu dans la merde. Bon, les artilleries qui ont juste tiré après pour essayer de m'avoir, mais c'est raté. Je vois qu'il y a deux artilleries qui sont quand même sur moi. On va vite retourner en base parce que les ennemis, ils ont bien progressé. Ils ont pris un peu l'avantage au niveau des kills. Ah putain, ça va être chaud. Mais bon, il y a le T-25AT là, un tier 7 qui reste en défense avec un KV-3 qui peut-être vise la base. Donc il y aura moyen de pouvoir les éliminer. Voilà, c'est parfait. C'est ce que je pensais. Le KV-3 regarde bien notre base. Donc on est assez bien protégé à ce niveau-là. Puis leurs chars sont bien endommagés. Donc ça ne devrait pas être un gros problème pour repousser leur attaque et revenir au score. Alors, il n'y a plus qu'un 1 kill d'écart. Ouais, bah, c'est bon, on est revenu au score. C'est parfait. Maintenant, on va pouvoir continuer à aller défendre notre base. Éliminer la petite attaque qu'il y a eu. Et maintenant, de contre-attaquer juste après. Ok, il y a un M4 à... Ouf, un luche. Ok, on va peut-être descendre. Non, on va pas descendre, on va attendre que le louche passe. C'est parfait, on va faire un petit pull. Allez, pull. Ah, ça dégage, one shot. Mais en même temps, un tier 4, le louche. Vous pouvez pas faire grand chose face à un tier 7. Qui a un canon de 100 mm tout de même. Ça fait quand même mal. Bien, maintenant on va aller s'attaquer au M4A3E2. Le jumbo. Peut-être qu'il va se faire éliminer avant. Ce sera très bien, comme ça je vais pouvoir aller directement dans le monastère, parfait, enfin dans le monastère, dans l'abbaye je veux dire. Ouh, il y a du contre-artillage, enfin du contre-artillage. Il a dû se faire spotter et le mec n'a pas bougé comme un pignouf. Ah, je suis à 3 kills, il reste 4 ennemis
Donc c'est-à-dire qu'il y en aura forcément un que je vais peut-être louper. Le T43, je pense que je vais pas pouvoir l'avoir, puis comme il est avancé, il se retrouvera face au KV3, donc ça sera pas pour moi, c'est pas grave. Moi je vais aller voir vite fait ce qui se passe derrière. Peut-être qu'il y aura les artilleries qui vont s'y trouver, à moins qu'elles aient bougé. Parce que des fois elles font... Oh, oh putain, le T43 il a carrément fait tout le tour. Ok, bon on va vite retirer en défense puisqu'il est quand même à 100% le T43. Il y a nos artilleries, il y a T25 AT quand même, il y a le M4-45. On a quasiment tous nos tiers 7 de vivants. Enfin par rapport à eux, c'est vraiment un grand écart. Ouais, ok, et les artilleries commencent à charger. Allez, on va essayer de taper le T43. Même s'il n'y a pas vraiment besoin, vu que je suis lancé, le temps que je fasse demi-tour. Parce qu'il n'est pas très très véloce le T-34-1, donc autant aller terminer le T-43. Puis comme ça, ça s'est fait, on va passer à autre chose. Allez, feu, ok, plantage de patates, c'est pas grave, ça a touché juste le sommet de cette putain de petite colline, de ce petit relief. Allez, hop, coucou, je suis là, voilà, ça dégage. Bien, maintenant on va pouvoir s'occuper des artilleries, c'est plus vraiment un gros problème. Je l'ai bien empêché en plus de reculer. Comme ça, si c'était pas moi qui l'avais, c'était mes coéquipiers qui allaient l'achever. Allez, maintenant on va foncer au niveau de l'abbaye. On va prendre le centre de la carte. Puisque je vois qu'il y a une artillerie qui a décidé de foncer dans le tas. Peut-être que je vais en trouver face à lui. Il faut que je fasse gaffe quand même. J'ai tous mes points de vie, quasiment tous mes points de structure. Donc ça devrait pas être un problème pour le face à face. Parfait, elle est là. Allez, c'est parti. Putain, le merde, le relief. Oui, ça passe. Putain. Voilà, je pense que j'ai eu un peu de chance au niveau de la précision du tir. Puisque le relief faisait que j'avais du mal à baisser mon canon et s'il y avait une petite bosse, bah c'était niqué quoi, l'obus passait juste au-dessus puisque la dépression, comme je répète, du T34-1 est à chier, c'est nul, putain, là je suis au maximum là, regardez, je peux même pas, voilà là, ouais. Vous voyez comme je peux pas bien viser, je suis obligé de descendre légèrement mon char, voilà là par exemple, là comme ça je peux bien viser en bas, sinon je peux pas, parce que c'est vraiment de la merde, voilà. Bon, j'espère que T34-2 sera meilleur que ça. Ce sera mon prochain dans pas longtemps. Si je continue dans cette voie. Ok, la M12 qui s'échappe. Putain, il me faut la M12 parce que 5 kills. Et donc, eh ben, pour avoir la médaille guerrier, il me la faut. Il me faut ce 6ème kill. Alors là, j'ai l'avance par rapport à tous mes autres alliés. Ils ont du mal à venir. Peut-être les artistes pourront essayer de l'avoir. Mais normalement, je devrais être le premier face à lui. Et par contre la M12 ça fait un peu plus mal que les autres chars. Faut que je fasse quand même gaffe. Je devrais peut-être résister sauf si vraiment il tape dans les munitions, ça serait pas de chance. Alors normalement peut-être qu'il est caché là dans les forêts. À gauche, je sais pas. On dirait pas. Putain je le vois pas. Ah ok d'accord, il a fui hein. Putain il est carrément, il va de l'autre côté. Attends. Oh putain, fait chier. Bah là il va devoir attendre puisque je l'ai détraqué. D'accord, il a réparé. Merde, il va s'échapper. Ah non il s'échappe pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour. Ah oh, bah c'est bien ça. Allez. Ok d'accord, j'ai... Oh putain, l'obus qui passe entre le char et le châssis. J'ai légèrement anticipé son mouvement, sauf que lui il recule en même temps, j'ai vraiment pas de chance. Allez, on va prendre le temps de viser, on va rester derrière son petit caillou parce que là ça va me protéger de son tir. Allez, tire. Oui, tire. Voilà, le petit caillou qui prend tout, c'est parfait. Et je vais pouvoir l'achever. Pour moi le kill, pour moi. Oui, putain, oui, il est pour moi. À moi le kill. Je vous emmerde tout. Oh, l'artillerie. Oh, la salope d'artillerie. Je sais pas si vous avez vu là dans la kill cam, mais l'artillerie a tiré juste après mon tir. J'ai eu du cul pour avoir cette médaille guerrier. J'espère que ce replay vous a plu. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut à tous et bonne journée.